Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Bureau, où cette fois avec notre ami l'agent Weaver, on allait carrément attaquer la méga base spatiale des Xénons qui est en train de balancer des énormes rayons laser, on sait pas où sur la Terre quoi. Alors, pas trop le choix, on actionne la plateforme. Agent Weaver, Carter fait un point du diable. Il dit que l'éthéré est dangereux. Et vous le croyez? Peut-être. J'ai vu ce type à l'œuvre. Il est vraiment bon. Et je ne sais rien de cet extraterrestre. C'est grâce à cet extraterrestre que Carter était aussi bon. À chaque mission sur le terrain, vous avez coopéré avec l'éthéré. Mais Carter n'a pas supporté d'être dirigé. Alors je l'ai remplacé. Et je dois dire que j'ai un peu de mal à saisir. Je sais. Mais on a toujours le même but. Sauver l'espèce humaine. Je peux compter sur vous ou pas, lieutenant Barnes? Oui, madame. Bien. Ça reste douteux quand même, cette histoire, moi, je trouve. C'est hyper sombre. On a une... Pas étonnant que Carter ait si bien dirigé ses équipes. L'éthéré l'aidait à communiquer avec elle. Oh, comment elle dénigre Carter. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis? C'est bon. Alors on entend Genesis qui gueule parce qu'il faut appréhender le prisonnier. Très bien. Donc nous on dirige toujours que 3 personnes, mais par contre on est beaucoup plus nombreux. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Même si ça aurait pu être fun pour une fois de diriger 5 personnes, ça aurait changé un peu. Alors, voyons voir. Docteur Weir, allez au relais de l'usine d'armement. Directeur, au site de déploiement. Ok. Figé ? J'y vais. Compris. Bon bah du coup non, on n'est plus que 3, donc voilà. Comme ça au moins c'est dit. Alors, tout le monde se casse, parfait. Bah nous du coup on va par là. C'est crypté, là on peut pas ouvrir. Ah bordel, c'est un sas. Ça sent l'arnaque. C'est bon, je crois. Bah on va voir ce que dit notre super scan. Il dit que c'est bon, donc du coup c'est que c'est bon. Alors... On est censé aller par où? Dans l'autre sens, donc du coup on va aller par là, c'est bloqué, très bien. Allons-y! Ouais, putain, il est pas frais, hein, Genesis. Clairement, il est pas frais, le mec. Elle est hyper sombre, cette map. Wow. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est parce qu'il y a des trucs qui pètent, on sait pas pourquoi. C'est extrêmement désagréable. Il y a un énorme flingue derrière cette porte. Je sais pas trop si on peut l'ouvrir. J'ai pas vraiment l'impression. Tant pis, allons, on va continuer d'avancer. Ah, et des saloperies là-bas aussi. Bon, comme d'hab, on reste plutôt guidé, hein. Pas trop de chemin alternatif. Si on parlait de cet endroit à quelqu'un, on serait traité de fou. Vous croyez vraiment qu'on va s'en sortir vivant? Non. Non. Silence. Ils ont le moral, les agents, c'est cool, ça qui est bien. Alors du coup, ce flingue, c'était quoi? Un canon foudroyant. Concentre l'électricité statique en un faisceau meurtrier. Ok, ça me paraît un petit peu trop brutal pour moi, par contre. On va garder le petit flingue à impulsion. On verra si on trouve des cartouches pour le machin foudroyant plus tard. Maintenant qu'on l'a débloqué, c'est pas un souci. Bon, j'aime pas trop les couloirs comme ça tout vide là, ça sent l'arnaque, on va essayer de sortir vite fait.
toi. Qu'est-ce qu'on voit? Toujours rien. Bah je sais pas s'il est venu avec d'autres gens, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt vide. Hein. L'avant. Merde. Putain, enfoiré. Il est où? Ah, il est en train de se barrer à l'autre bout du monde en fait. Ok, très bien. Mais vise, débile! Il en reste un, bougez-vous! Ils approchent! Vos ordres! Ils approchent pas du tout, il n'y a plus personne, on se détend. On dirait qu'il n'y a pas que sur Terre qui font nimp les silacoïdes là. J'ai rejoint une bande de sécurité, je vais tenter de la franchir. Oui, comment ça va? Plutôt bien en fait. Guerre d'opposition jusqu'ici. Je devrais pouvoir passer très vite. Ils sont badass les mecs, hein. Bon, en même temps on n'a pas rencontré beaucoup d'opposition non plus, mais ils sont quand même tout seuls quoi. Ça sent l'arnaque à plein nez. Mais genre à plein nez quoi. Je vais vraiment pas viser par contre dans cette position, c'est un peu chiant. Toujours rien du tout. Ah, il y a une porte. Contact. Hop là. Putain, mais passe pas devant moi, débile. T'es con aussi. Le mec, il saute, il passe devant moi au moment où je tire, quoi. Faut aller voir les ennemis un peu. Hein. Ok, donc ils sont plutôt sur du plasmique lourd dans le coin. Parfait. Ah, une plateforme. J'adore ça, une plateforme. Allez mec, pointez-vous. On actionne la plateforme. Ici Barnes. J'ai une mauvaise nouvelle. Carter s'est échappé. Il vient vers vous. What? Je croyais qu'il était sous bonne garde. Et qu'il l'a laissé filer d'après vous. Désolé. Vous avez l'air blessé. Tout va bien? Il y a eu de la bagarre, j'ai reçu une balle. Bordel. Ce pourri. Il vous a tiré dessus. Vous en faites pas. Il a pas touché d'organe vital. Il l'a peut-être fait exprès. Mais je doute qu'il se montre aussi clément avec vous. Il en veut à l'éthéré. Moi. Oui, mais il ignore auquel d'entre vous il est lié. J'ai pu éviter de lui dévoiler cette information. Ok, donc on a définitivement pété un plomb. Et en plus on va avoir un Carter fou furieux à gérer dans le dos quoi. Parfait, parfait. Enfin au moins il devrait pas être surhumain vu qu'il a pu déterrer, c'est déjà pas mal. Angie, écoutez-moi. L'un de vous est possédé par l'éthéré. Ne l'écoutez pas. Vous avez un meilleur plan, Carter. Les tuer. Tous les xénons et les hypnotiser. Tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre. Comment pouvez-vous dire ça? C'est un génocide, Carter. Aïe. Ah, on commence à voir des trucs là-bas. Malheureusement, ils disparaissent, je peux pas les scanner. En tout cas, c'est pas des hostiles pour l'instant. Là-bas, on a un truc. Des munitions. Ça veut dire qu'on va probablement avoir du fight à un moment là. Là on a quoi? Un lanceur nucléaire, très bien. C'est vraiment trop calme, hein. Franchement, ils nous ont habitués à tellement plus de castagnes les mecs. Ça sent vraiment le pâté ce coin. C'est des munitions partout là. Grenade adhésive, ok. Fusil de précision plasmique. Oh putain, ça sent le fight. Alors visiblement, la barrière ce sera est là pas devant ici, moi. Mais... J'y serai dans un instant. Laissez-moi un commentaire à ce moment-là de l'épisode si vous pensez que ça va partir en sucette. C'est fini. Les humains ne deviendront pas des esclaves. Ni les tiens, ni les leurs, ni
fils de personne. Ils sont sur moi, je n'ai pas encore atteint le terminal. Il me faut de l'aide, vite. Moi aussi, je suis coincé. À l'aide. Carter, qu'est-ce que vous avez fait? Je t'ai arrêté. Bordel. Contact! Leur ligne tient bon! Alors. Toi, tu vas te planquer, ici. Déplacement. Tu nous mets une petite sphère bouclier. Là-bas. Toi, tu te planques. Déplacement. Tu nous poses une tourelle. Emplacement de tir, là! Nous, on va balancer ça. Ils ont détruit notre tourelle! Ah ouais, direct quoi. Oh. Allez, meurs avant qu'ils se relèvent, voilà, parfait. Ils avancent! Qu'est-ce qu'on fait? Ils avancent, on va se détendre, hein, ils avancent, mais bon, ils sont pas non plus dans le stress. Un petit stimulant peut-être. Boostez-nous. Steam prête. Et toi, tu vas nous poser une mine. Posez par là. Mine. Gaffe. Mine déployée. Juste histoire de l'obliger à sortir. Hein. Changement de position. Sur les défensifs. Ils en fabriquent des drones. Attaquez! Ah, bordel, infirmier! Ça merde, il est mort avant que j'ai le temps de le soigner. Mais qu'est-ce qu'il foutait aussi à poil aussi? C'est ouf ça. Non, toi tu vas t'occuper de poser une sphère bouclier sur sa gueule. Installez-moi un bouclier là-bas! Activation du bouclier! On a perdu le contrôle de la cible! Allez, debout toi. Putain, c'est la merde. Et poule. Merci. Et on recule, les gars. J'ai été touché. Ah, bordel. Infirmier. Ah, je pensais pas qu'ils sortiraient autant en nombre là. Merci. Infirmier. Putain. Ouais, non, on est mort. En plus, si je peux pas viser. Ouais, non. Autant dire que là, aller en plein milieu du combat pour le ressusciter, c'est vraiment une idée de merde. Oh, le spectre qui est sur nous, quoi. J'y vais. Commandant touché. Agent, par ici. C'est bon. Non, c'est mort. On est tous morts. Bon, bah du coup, il nous a foutu dans la merde, le père Carter, là. Donc du coup, on va devoir recommencer. Bon, je passe la cinématique, vous m'en voudrez pas. Tenez-vous prêts, ils sont pas loin. Des hostiles, ici. Ok, alors du coup, on va direct... prendre un xénon d'élite. Toi, tu vas te poser une petite sphère bouclier. Bouclier activé. Toi, tu vas mettre une tourelle laser dans le bouclier. Concentrez-vous sur cette cible. Arrivé en cours. Ouais, c'est une bonne idée. Tiens, mettez-vous tous les deux derrière le bouclier. Concentrez-vous sur cette cible. Sur votre cible. Boostez-nous. Stream prêt. Bon, pour l'instant, ils sont en train de s'acharner sur notre pote. Putain, il est flanqué derrière le... Wow, qu'est-ce qu'ils ont repoussé? Ah, c'est qu'il y a une grenade, merde. Allez, on va balancer un petit cycloïde. Ici, on va reculer, s'il vous plaît. Toi, tu viens là. Toi, tu vas venir ici. Ah, bordel. Ils ont un commandeur avec eux. C'est bon, ils sont prêts. Allez, tu recules là où je t'ai demandé de reculer.
Bon bah ok, recule, genre recule par là alors. Faut se planquer. Putain, grenade. Infirmier. Putain, saloperie de drone là. Il nous faut du soin et il nous faut un drone. Toi, il nous faut des stimulants. Toi, ouais, bah planque-toi là, très bien. Ah mais putain, il y a un putain de commandeur serviteur là, je l'avais pas vu celui-là. Soulèvement. Ouais, faut absolument s'en occuper. Attaquez lui. Je tire sur votre cible. Abattez-le. Pose-nous un bouclier, toi. Bouclier orbe là-bas. Activation du bouclier. Alors, comment ça se passe? Toi, t'es en train de faire n'importe quoi. Putain, merde, il est en train de nous contourner en même temps. Toi, tu recules. Abritez-vous là-bas. C'est bon, j'y vais. Toi, tu vas nous poser une mine. Posez par une là. Mine nous, on s'occupe de ce coin. Merde, lui, il est planqué là. Bordel. Alors, il faut du soin. Toi. Ouais, tu vas nous poser un bouclier sur toi. Toi, tu vas nous poser une sphère laser genre dans le coin. Arme déployée. Et nous, bah, il faut qu'on s'occupe de ce putain de sectopode. Hein. Et pour l'instant, c'est sur moi qui tape, donc on va en profiter. Un blob. Une mine par là, s'il te plaît. Mine déployée. Des stimulants, toi. Boostez-nous. Nous, on recule. On court quand on recule, merci. C'est lui qui est complètement exposé là. Passez derrière. Replie-toi. Ça. Ouais, des xénons d'élite, ils sont trop loin pour être vraiment utiles. Il tu faut pourras peut-être nous affaiblir celui-là. Ce coup par contre, ce serait cool. Et pose-nous une mine dans ses pieds, s'il te plaît. Et où se trouve? Ok, on se remet en position les gars. Cette fois, il est temps de profiter de notre avantage pour avancer. Les boucliers sont détruits. Allez chercher un petit peu de munitions. Alors. Ils ont détruit notre tourelle. Ouais, ils ont détruit notre tourelle, mais mieux vaut notre tourelle que nous, hein, clairement. Toi, tu charges un peu. C'est bon, j'y vais. Ça devrait nous aider. Ici, on soigne. En déplacement. Ah putain, c'est un Goliath que je vois là-bas. Un autre de... Non, on dirait pas. Ok, il se replie. Très bien. Cible détruite. Nickel, on a réussi à nettoyer. C'est le temps de reprendre des munitions vite fait là. Merde. Ah voilà, je voulais prendre avant le début de la cinématique. Ah, va falloir qu'on choisisse qui on va aider. Y'en a trop. Merde. Alors qui sera l'heureux élu? Qui le puissant et terrible va-t-il choisir? Putain, tu fais chier Carter. Non, prends-moi ça. Alors déjà on va prendre notre niveau. Alors on a quoi?
Réduction de l'ensemble des dégâts subis par le groupe, ça c'est pas mal. On a débloqué plus de santé, et sinon on a récupération plus rapide des aptitudes de l'ensemble du groupe. Non, on va prendre les dégâts. Nos compétences, elles se rechargent déjà bien vite. On va se calmer deux secondes. Alors il faut qu'on choisisse qui on va aider. On va aller aider Weir. Parce que je préfère Weir. Je suis bien désolé, mais il faut faire des choix. Contact ! Changement de position. Il n'y a que lui tout là-bas, pour l'instant en tout cas. Attaquez ! Cible confirmée ! Ils sont là ! Abattez-le ! En visée ! Ah, il y va comme ça à poil, hein. Très bien. Que disent nos scanners? Ils disent qu'il n'y a rien d'autre dans le coin. Dans ce cas là on trace, puis on va prendre cette arme pour combattre à l'intérieur des couloirs. Ah, des grenades, parfait. Allez, on trace les mecs. Oula, putain, c'est un ennemi ça? Non, il se barre. Ça m'aurait fait chier là pour le coup. Folk. Oui, je vous reçois. Je me dirige vers le docteur Weir. Je comprends. C'est la bonne décision. Carter vient vers vous. Bah, c'est mieux que rien. Bonne chance, Angela. Ouais, c'est mieux que rien. Je sais pas si c'est une bonne idée quand même, mais bon. Admettons. Il y a de l'action dans cet épisode, hein. Ça envoie du lourd. Hey mec, en avant, c'est parti. En plus je suis un petit peu malade, hein, vous l'avez peut-être remarqué. Ça n'aide pas, bien sûr. Go, 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 go. Voilà la grenade, l'enfoiré. Putain, il a eu le temps de la lancer. Les munitions, c'est fait, tout le monde est là, en avant les gars, on court, il n'y a rien qui traîne. Hein. Là-bas, il y avait plein de trucs qui traînaient. Est-ce qu'on les a ratés ou est-ce que c'était un... Est-ce que c'était totalement différent? Faut quand même vérifier. C'est où? Ouais non, c'est très loin là-bas, là. Et là-bas. Je pense pas que je puisse y aller pour l'instant en tout cas. C'est pas grave, on va aller aider Weir. Après tout, on est là pour ça. On va quand même sacrifier le directeur survivant. Ah putain, ouais, lui quand il est dans la merde, il est dans la merde quoi. Hein. Ouais, non, faut pas rester derrière par contre. Abritez-vous là-bas. Après ça, tu nous poses une tourelle. Déployez ici, la tourelle. S'il te plaît, nous, on va s'occuper de lancer un drone. Drone d'assistance. Contrôle mental en cours. Puis prendre un petit contrôle mental. Ah, bordel. On va soulever la tourelle. Ben, elle est presque morte, malheureusement, mais c'est pas grave. Attends, mais... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce que je t'ai jamais demandé d'aller là, bordel? T'es complètement exposé là. Ah, j'ai entendu parler d'un commandeur. Toi tu vas avancer par contre. Toi tu vas nous poser une petite sphère bouclier pour leur chier un coup de main. Nous, on va sortir un silicoïde. Et au niveau des ennemis là. Ah bah c'est un commandeur serviteur, il est là-bas ce con. C'est bon, il est mort. J'ai besoin d'un appui ici. Alors il y a un mec en bas, mais notre priorité je pense que c'est ce sniper là. Abattez-le.
toi, tu vas poser une mine. Alors, il y a un mec en bas là. Donc, tu vas poser une mine là-bas. De l'escalier, ça c'est notre drone à nous. Ennemi en approche. Oh, oh, je me fais des hommes. Oh la vache. Merde. Qu'est-ce qui m'a foutu à terre là? Non, faut que je me relève moi. Quelqu'un pourrait me soigner. Je vais vous soigner. Ça va aller. Attention. Merci. Un petit coup de barre, c'est possible. Ils sont où? Merde, putain, ils sont complètement là-bas. Toute cible détruite, très bien. Alors moi j'ai cru que tous ces foutus sectopodes allaient nous tomber dessus, mais non, ils sont juste là pour faire joli. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un fusil d'assaut, très bien. Weir, il est parti où là? Il est avec nous? Putain, mais il est où ce con? Où es-tu? Tu t'es barré par l'escalier, un truc du genre? Ouais, ok, il est là. Visiblement, il y a des ennemis, ou quelque chose qui l'inquiète en tout cas. Ah oui, effectivement, il y a une saloperie. Des hostiles ici. Ça, c'est pour les États-Unis. À terre. Alors, toi, tu vas faire ça, toi, tu sers à rien là où t'es. Tu vas complètement aller te planquer là-bas, et après, tu nous feras un affaiblissement sur sa gueule. Toi, tu vas nous mettre une petite tourelle pour aider. Emplacement même si de je tir, pense qu'elle là va se faire défoncer assez vite. Appel de drone. Un petit stimulant de combat. Boostez-nous. Pour filer un coup de main. Mettez ces morceaux là, voilà. Le drone, même le drone peut réussir à le faire voler là un petit peu. Toujours ça où il tire pas. Parfait. Par contre je suis nouveau à poil en termes de munitions, ça coûte super cher en balles cette histoire. Oh putain sérieux, je peux même pas leur viser dessus, leur tirer dessus quoi. Butez-le. On fait de belles cibles. Donnez-nous des armes. Ah, il y a encore un, il y a encore des sectopodes qui sont apparus. Bordel. Chargeur. Alors du coup, voyons voir comment ça se passe. On va sortir un petit silkéloïde pour aller filer un coup de main. Toi, tu vas te poser. Ouais. Abritez-vous là-bas. Ici. Et il faut absolument qu'on s'occupe de. Putain, ça c'est un commandeur psionique en plus. Soulèvement. Toi, tu vas nous mettre une petite mine ici pour être sûr que personne ne vienne faire chier. Et merde, grenade. Récupération. Toi, non, tu fais nimp. Tu retournes là. Après, tu poseras une sphère bouclier. Toi, tu vas nous mettre une tourelle là. Et après, tu vas te barrer ici. Et nous on va profiter qu'on a plus de... C'est bon, j'y vais. Attention. Toi je t'ai dit de venir là. Baissez la tête. Après tu nous poseras des stimulants. Y a des gens autour de nous pour qu'ils gueulent comme ça là? Non, y a personne autour de nous donc on va peut-être se détendre un peu. On va sortir un drone. Allez, il est à poil là. Voilà, il a bonne idée de se retourner.
c'est qui reste? Ah, il en reste un là. Le malin. Putain, il va la grenade encore. Parfait, il a fait poser sa grenade sur lui-même. Ça c'est la bonne nouvelle, il nous faut des munitions par contre. Là-bas c'est des munitions. C'est les munitions, parfait. Le relais est par là, vite, avant que d'autres n'arrivent. Ouais, bah, on va se détendre deux secondes hein. On recharge tout ça. Il n'y a pas quelques petites grenades d'ailleurs qui traîneraient dans le coin? C'est quoi là-bas? Parfait, petite grenade, parce qu'on a plus du tout de grenade et que c'est quand même bien utile contre ces saloperies blindées. Bouge-toi de là, toi. Ça, c'est quoi ça? Un sniper? Ouais. Bon! L'idée, c'est d'aller par là. Très bien. Ouvrons cette porte. Mmh. Une belle zone bien exposée, c'est nickel. Comme on les aime. Ah, il y a une cache tactique, c'est parfait. Très bien. Pour l'instant, la salle est verrouillée. Vous devriez être en sûreté ici. Attendez mon signal pour détruire le relais. À vos ordres. Falk, Falk, vous êtes là? Besoin d'aide! De l'aide, ici! Je suis en route. Utilisez le téléporteur! Ce sera plus rapide. Un téléporteur dans une salle sécurisée. Quelle bonne idée. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme équipement. Qui peut prendre le machin laser qu'envoie du steak là? Donc déjà pas lui, j'imagine pas lui non plus. Non, alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va virer lui et qu'on va prendre un commando à la place. Parce que quand même c'était plus utile. Alors t'as tous tes niveaux, oui t'as tous tes niveaux. PM laser, tu peux peut-être avoir un peu mieux. Genre un fusil laser à impulsion. Sac médical, pareil, tu peux peut-être avoir un peu mieux. Genre un sac tacticien. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme ça nous permet de sauvegarder, on va arrêter l'épisode là. Donc on s'arrête dans un petit calme de l'action, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve demain, demain, je dis, oui, pour, peut-être demain, je ne sais pas, puisque je tourne ces épisodes de pendant la semaine pour boucher les trous. Donc je verrai quand j'en aurai besoin. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.